Salut les coureurs, salut les triathlètes. Hier, j'ai posté une vidéo où j'ai expliqué qu'il était important de planifier à l'avance sa saison, de bien choisir une épreuve qui vous correspondait pour éviter de vous lancer dans quelque chose qui n'était pas faisable. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma planification à moi. Comme vous le savez, je viens de traverser une année 2023 très compliquée. Elle a commencé avec une pubalgie que j'ai traînée toute l'année dernière, que j'ai voulu soigner en début d'année en coupant un petit peu. Malheureusement, le résultat n'a pas été bon du tout et au contraire, les douleurs se sont amplifiées. Résultat, ma première partie de saison a été consacrée à cela, soigner la pubalgie qui déclenchait chez moi des douleurs aux ischios et à l'adducteur. Donc j'ai annulé ma participation au marathon de Genève et je ne me suis même pas préparé pour cela. J'ai fini de me soigner et on va dire qu'à partir de mai, j'étais bien. Et donc, j'ai attaqué la préparation du marathon de Valence. Vous allez me dire, il est en décembre, mais moi, je fais des préparations très longues puisque j'essaie là, dans un premier temps, de me mettre dans mon poids de forme tout en augmentant, bien entendu, le volume d'entraînement et pour avoir vraiment 3 mois où je peux faire une préparation aux petits oignons, on va dire. Alors que j'étais arrivé à mon poids de forme, que je commençais à pouvoir courir à mon allure cible, c'est-à-dire à 3,52, 3,53 pour le marathon, malheureusement, vers le 11 août, alors que je faisais une séance de 8 fois 2 minutes à allure 10 km, grosse douleur dans la cuisse gauche, que j'identifie très mal au départ, je pense que j'ai une cruralgie. Donc je coupe pendant 2 jours parce que j'arrive vraiment pas à marcher, puis je reprends les petits footings, alors la douleur elle est très très présente, mais je m'étire, je vais voir mon toubib, je lui explique ça, et il m'examine pas trop, puisqu'il me connaît, il pense que j'ai bien identifié le problème. Il m'envoie faire une IRM du bas du dos pour vérifier où est le pincement. Bon, je vous passe tout ça. 2 mois, aucune amélioration et surtout un mauvais diagnostic. Heureusement, je vois un médecin du sport qui m'envoie faire une échographie du quadriceps. Et là, on détecte une grosse déchirure qui a été soignée parce que ça fait 2 mois que je continue à travailler dessus, que je fais beaucoup de vélo. Mais malgré tout, la douleur est toujours présente puisque quand vous faites un gros claquage, des fois il y a des cicatrices qui sont très douloureuses. J'ai repris l'entraînement il y a environ une semaine où j'essaie de courir 30 minutes. Bien entendu, l'objectif de l'année, le marathon de Valencia dans 4 semaines, il est oublié. Je vais quand même aller à Valencia parce que j'y vais avec pas mal de coureurs. Et je me dis que si d'ici là je peux retrottiner, peut-être je pourrai accompagner un groupe de mes coureurs, un groupe pas très rapide pour moi en tout cas. Mais en tout cas, j'espère que je vais pouvoir faire ça. Mais cette vidéo, c'est pas ça. Cette année pour moi, elle est out, elle est terminée. J'aurais fait aucune course dans l'année. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Aucune perf. C'est assez frustrant. Mais pour éviter cette frustration, je suis déjà passé sur 2024. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Mon cerveau a vraiment basculé dans « tu t'es reposé quasiment une année parce que je me suis entraîné 3 mois, c'est vraiment rien. » Et là, je vais d'abord continuer de me soigner, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour récupérer ma jambe, pour pouvoir courir de nouveau. Et je me suis déjà fixé les objectifs pour 2024. Et la motivation, elle est énorme. Je change de catégorie, j'espère que je vais conserver le même niveau que j'avais l'année dernière, voire même aller encore un petit peu plus vite, c'est-à-dire j'espère vraiment passer sous les 2h45, voire même sous les 2h44 pour aller gagner, pourquoi pas le marathon de Paris dans ma catégorie, pourquoi pas le marathon de Berlin dans ma catégorie et pourquoi pas le marathon de Valencia dans ma catégorie. Alors c'est plein d'ambition alors que je suis blessé aujourd'hui, mais grâce à ça, que j'y arrive ou que j'y arrive pas, je sais que ma motivation va être extrême, que ça soit au niveau alimentaire, que ça soit au niveau entraînement. J'ai basculé là-dessus pour cela. Le fait de devoir me rééduquer, avoir mal quand je trottine à 10 km/h, c'est difficile à vivre. Hier, j'étais au stade et je me faisais doubler par tout le monde. Mon ego prend un sacré coup parce que je vois les mecs qui me doublent et je les vois me regarder leur de dire « regardez-moi ce pauvre type qui avance pas sur la piste, c'est dur, c'est très dur ». Mais je ferme mon cerveau, j'oublie ma douleur et je me dis « je vais rien lâcher ». J'ai fait un short hier où je disais « je ne lâcherai rien ». C'est exactement ça. Non seulement je vais revenir, mais je vais revenir encore plus fort malgré l'année supplémentaire et le changement de catégorie. L'année prochaine, je vais être très fort, j'en suis sûr, et je vais tout faire pour. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'y arriverai pas? À aujourd'hui,
Je m'en fiche parce que j'y crois. Et comme j'y crois, je me donne toutes les chances d'y arriver. Je me donne toutes les chances de performer encore, de monter sur les podiums de ces gros marathons. Je me vois très bien gagner le marathon de Berlin dans ma catégorie. J'ai vraiment envie de ça. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas Momo Eliamani qui s'inscrit dans la même course que moi. Parce que sinon, malheureusement, avec toutes les bonnes motivations du monde, j'arriverai pas à le battre puisqu'il me met au moins 10 minutes. Et qui sera, je suppose, dans la catégorie M5 l'année prochaine, en train d'aller récupérer tous les records du monde. Désolé pour les chiens qui aboient, je ne peux pas les faire taire, ils ne sont pas chez moi. Donc cette motivation extrême que j'ai, je voudrais que vous fassiez exactement la même chose que moi. Quand vous sortez d'une course où vous êtes déçu, quand vous êtes blessé, arrêtez de focaliser là-dessus. Passez à autre chose. Fixez-vous des objectifs motivants. Fixez-vous quelque chose qui vous fait rêver. Moi, j'ai vraiment envie de gagner le marathon de Berlin dans ma catégorie. J'ai vraiment envie de gagner le marathon de Valence dans ma catégorie. À Paris, j'ai déjà fait podium, mais là, j'aimerais bien gagner. Donc, je vais me focaliser à fond là-dessus en me disant, ok, tu vieillis, tu as un an de plus, mais grâce à ça, tu vas être encore plus fort dans ta catégorie d'âge. Faites pareil que moi, quel que soit votre âge, quelle que soit votre motivation. Foncez, croyez en vos rêves, croyez que vous pouvez arriver à faire ce que vous voulez. Ensuite, on voit bien ce qui se passe, mais déjà le fait d'y croire, ça vous donne la motivation pour vous entraîner, ça vous donne la motivation pour faire attention à la bouffe, ça vous donne la motivation pour être plus performant. Voilà les coureurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis, entraînez-vous bien et on croit en soi et on fonce. Si je vous explique comment je fonctionne au niveau motivation, c'est parce que j'ai envie que vous fassiez la même chose. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, ne vous bloquez pas le cerveau. Ayez des objectifs ambitieux, réalistes mais ambitieux. Et faites tout pour les atteindre. Si vous faites ça, vous ne serez jamais déçu. Même si la course se passe mal, vous aurez tout mis en œuvre pour y arriver. C'est la seule chose qui compte. Tous les gens négatifs autour de vous qui vont vous dire « Mais pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Tu n'y arriveras pas ?» Vous les oubliez et vous ne prenez que les gens qui vont vous encourager, que les gens qui vont vous motiver en vous disant « Je suis sûr que tu vas y arriver. » Grâce à ça, vous allez faire de super performances. Super performances pour vous. On a tous de super performances. Moi, ça va être 2h43. Quelqu'un d'autre, ça va être faire moins de 4h au marathon. Un autre, ça va être faire 2h15. On s'en fout en fait du résultat. C'est faire le mieux qu'on peut. Et pour ça, il faut être motivé. Il faut être discipliné dans l'entraînement et n'écouter que les gens qui sont positifs. Voilà les coureurs, c'est tout pour aujourd'hui. Entraînez-vous bien et restez motivés quoi qu'il arrive.